Hey yo, what's up, c'est Dotai. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Et donc on se retrouve pour une nouvelle série qui va s'intituler Let's Play with the Brothers, ouais. Et donc ça sera en compagnie de moi, Tai et Risings. Donc je vais vite fait vous expliquer, donc on va essayer de sortir un let's play chaque jour, donc un chapitre chaque jour. On commencera par moi, après la suite avec Risings, etc. Vous voyez, on fera un chapitre chacun. Et donc ça sera sur le jeu, donc Devil Within. Devil Within, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on commence tout de suite. Hein. Allez, on se retrouve à tout à l'heure. Toutes les unités, 1199, exécuté code 3, hôpital psychiatrique Beacon. 184 reçu, code 3, on y est dans 3 minutes. Compris, 184. Désolé, inspecteur. Je sais bien que vous venez de boucler, mais je crois qu'on va devoir faire un détour. Qu'est-ce qui se passe? Une émeute? L'appel a été lancé avant que je passe vous prendre. Homicide multiple, il paraît. Il y a déjà une douzaine d'unités sur place. 131, répondez. Eh, c'est peut-être le fantôme de Zocder qui est devenu dingue et qui a charcuté ses patients. C'est pas ça du tout. Des patients ont disparu. Et on n'en sait pas plus. Ouais. Ça reste flippant quand même. 127, 124, répondez. Joseph, tu penses qu'il y a un lien? C'est bien possible. C'est sous-scellé, mais j'ai mes sources. Si vous êtes sur place, répondez. Centrale, inspecteur Castellanos dans la 184. Quelle est la situation, à vous? 184. Des problèmes sont arrivés à toutes les plaques. Boreal Victor. Est-ce qu'il y a des... Il est mortel. Putain. Inspecteur Kidman. Qu'en dites-vous? Pas grand-chose. Je pense qu'on en saura plus une fois sur place. Qu'est-ce que t'en penses? Conley, contactez le central et faites-leur un rapport. Joseph, Kidman, avec moi. On va aller jeter un coup d'œil. Ok. Et donc voilà, on se retrouve pour le chapitre 1 en compagnie de Joseph et de Kidman. Typement. Voilà, on est dans un hôpital psychiatrique, là, devant l'hôpital psychiatrique, je crois, c'est ça, je crois. Oh, je vais suivre Kidman, c'est mieux. Vous voyez. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a, Kidman? La pluie va faire disparaître tous les indices. C'est vraiment sombre. Ça fait un peu flipper. En tout cas, ça donne pas du tout envie d'y aller. Bon. Nous devons le faire. Allez, je porte mes balls. Bon, je crois qu'il va rien se passer au début, donc... voilà. On craint rien pour l'instant. Il y a une forte odeur, là. Il y a comme une odeur de sang. Ok,
Fais gaffe. Ok. On va voir à l'intérieur. Que personne d'autre ne passe cette porte. Normal, donc on arrive à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique et des cadavres de partout, par terre. C'est pas ce qui s'est passé. Ah, carrément, là, il y avait un... Ah, il y a carrément un carnage. Ah, c'est carrément fait traîner par terre, elle. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va avancer. Ouh. Elle est morte aussi. Bah, tout le monde est mort dedans. On va voir ce qu'il y a là-bas. Non, rien. Excusez-moi. Je vais rejoindre mon ami Joseph. Vous êtes blessé? Oh. Que s'est-il passé? Il y a un survivant. C'est pas vrai. Possible. Reviquet. Je m'en occupe. Tu devrais vérifier les caméras de surveillance. Ruvik. Mais qui est ce Ruvik? Bon, on va regarder les caméras. Au niveau des policiers, des gardes. Wow. Wow. Putain de merde. Holy shit. Qui c'est lui? Quoi? Oh, il est derrière moi. Damn. What? En tout cas, il a une belle tenue. Il ressemble beaucoup. La tenue ressemble beaucoup. Dans Assassin's Creed, là. Les assassins. Si, ça va, c'est stylé. Oh, je me retrouve où là? Qu'est-ce que je fais là? Ok, je suis pendu par les pieds. Oh, il est moche lui. Qui c'est? Oh là là. Ah ouais, carrément. Y a pas que moi ici, il y a plein d'autres cadavres. Là. Oh, c'est pas joli à voir. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais avec ton couteau, toi? Non! Qu'est-ce qu'il fait? Bon, faire pivoter la caméra, je pivote, hein. Oh non, il a coupé en deux. Oh. Oh, c'est dégueulasse. Bon. Avant. En arrière. En avant. En arrière. Oh, je crois qu'il fallait super. Il faut aller plus vite. C'est bon, j'ai le couteau. Je peux sortir d'ici. Voilà. Je suis plutôt en bon état, mais comment je me suis retrouvé ici? C'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, c'est quoi? R2 pour se baisser. C'est quoi ce bruit? X, triangle, L2. Ah, c'est bon, il y a R2 pour se baisser. Oh, excusez-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais où? Bon, on va avancer. Là, il y a un truc à prendre. Vite, vite, vite. On va faire quoi? Oh, il arrive. Non, non, non. Vite, 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 vite. Avance. Je suis mort. Oh, il m'a pas vu. C'est bon.
Qu'est-ce qu'il fait avec son couteau? Qu'est-ce que je vais faire? Je dois avancer là? Allez, j'avance. Tout doucement. Bonjour monsieur le charcutier. Ah, X. Donc des clés. Clés ordinaires. Ah, je vous laisse faire. Qu'est-ce que je fais? On va voir à droite. On va à gauche maintenant. Oh là, il a failli me voir. Ah, il y a une porte. Je l'ouvre. C'est bon, il n'y a personne, tu peux y aller. Où est-ce que ça mène? Ah, c'est juste en haut. Ah, excusez-moi pour cette absence. Donc voilà, donc je reviens. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois avancer. Ouais. Bon, allons-y, hein. C'est carrément un abattoir ici. Oh, c'est pas beau à voir. Oh merde! Merde, 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 j'ai manqué. Oh là 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 là, j'ai déclenché un piège là. Qui c'est qui est derrière moi? Concours? Je vais voir qui est. Oh, un gars, la tronçonneuse, avance, avance, avance. Damn! Avance, 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 avance! Non, 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 non. Oui, bien sûr, tu t'es téléporté, mais oui! Carrément! Ah, qu'est-ce que tu fais là? Tu peux rien faire. Mais non, mais. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, il y a quand même des cadavres là, regardez. Oh. Il trappe. Allez, on va dedans. Où est-ce que ça m'amène là? What the fuck? C'est dégueulasse! Du sang partout! Oh, un bain de sang carrément. Avec plein de cadavres. Okay. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aimerais bien y aller aussi. Vous voyez? Ouais. On va éviter ce genre de voyage. Montons l'échelle. Bon, personnage boîte à mort. Carrément. Il a mal. Ça fait mal ou pas? T'as mal? Ouais, il a l'air d'avoir mal. Ouais, c'est pas grave. On va avancer, c'est un guerrier. C'est un guerrier, je porte mes bolts. J'ouvre la porte. Allez. On fonce, on fonce. Il n'y a rien ici, il va rien se passer, bien sûr. Il n'y a rien. On avance, allez. On avance, mais non, il n'y a rien derrière, s'inquiète. J'espère. Non, c'est bon, il n'y a rien. Oh. Monte l'échelle. Oh, il y a une porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Ouvrir. Il y a rien. Foutez de ma gueule ou quoi? Elle sert à quoi cette salle? C'est pas possible. Où est la sortie? Ah. Un cahier. Il y a des notes. Ah, donc je vous laisse lire. Hein.
Bien sûr, si vous voulez lire, moi je passe vite fait, hein, je vais pas vraiment lire. Ouais. Donc si vous voulez lire, vous mettez pause et voilà. Donc on continue. Là, c'est bloqué. Là aussi, c'est bloqué. Et que se passe-t-il? Comment nous sommes-nous retrouvés dans ce merdier? Allez. Oh, le gars est quand même balèze. Il a carrément une jambe en moins. Il arrive à monter l'échelle. Balèze, chapeau. Normal, je suis un guerrier. Je porte mes bolses. Allez, on y va, on y va, on y va. On y est bientôt, presque. Allez, on est au sommet. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Y a rien du tout. Encore des notes. Voilà, je vais faire défiler, hein, je vais descendre tout doucement, voilà, que vous puissiez lire. Voilà, c'est bon. Allez, vous pouvez lire là? Ah, vous pouvez lire? Non, vous pouvez pas. Hein. Je fais non. Bon, allez, on avance. C'est parti. Oh, un bouton. Ouh. On est dans un couloir là. Où est-ce que ça amène? Ouvrons la porte. Oh là! Oh, je sens qu'il va se passer un truc, mais je sais pas pourquoi, mais ça... C'est quoi, ça? Il y a des casiers de partout... Attends, on va voir la porte... Qu'est-ce qui se passe? Oh là, je suis dans une salle... X! Pourquoi X? Non, non, non! Oh, il y a le gars là, tronçonneuse, il m'a retrouvé, non! Qu'est-ce que je vais faire? R2, vas-y! R2! Rentre! Rentre dans le casier! C'est ça? Damn, holy shit! Holy shit! Holy shit! Oh. Non! What? Vous avez vu ce qu'il a fait avec la tronçonneuse? C'est un coup de pied, une tronçonneuse, je sais pas. Oh, Normalement, il me voit pas, il me voit pas. Il est déchaîné là. Il est déchaîné. Oh. Wow. Qu'est-ce qu'il a fait quoi? Il a coupé non? Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux pas sortir, je veux pas sortir les gars, je ne veux pas du tout sortir. Il fait vraiment flipper lui. Barnaby le trop. Non. Bon bah, on va sortir. Hein. Comme vous savez, je suis un guerrier et je porte mes balls. Oh, ah ouais, il a carrément défoncé la porte, quoi. Ah ouais. Il est balèze. C'est quoi ça? Procès d'analyse dans les parallèles. Ah ok. Bon, là, pour l'instant, il me voit pas. Normalement. Il faut aller où? Là-bas. Ici. On va plutôt prendre cette option. Tu m'as pas vu. Bon les gars, on va reculer, on va reculer, on va reculer, on va reculer. Non, rentre pas dedans. Sors, voilà. On va essayer de passer derrière lui. Oh, allez, je suis... Bon, on va lui donner un petit nom, hein, le gars à la tronçonneuse. Donc, je vous propose Barnaby.
Le déjanté. Barnaby le déjanté. C'est pas mal ça. Barnaby le déjanté. Vas-y, on y va, on y va, on y va, on y va. Oui, c'est bon. Oh là là. Barnaby il est énervé là. Fais quoi? La bouteille? Qu'est-ce que je vais faire avec la bouteille? Qu'est-ce que je vais faire? Non, 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 je suis pas là. Non, non, non. Non, non, Barnaby, je suis pas là, je suis pas là. T'inquiète, je suis pas là. Je vais faire quoi? Je vais voir elle. Oh. Je crois qu'il faut lancer la bouteille en fait, c'est pour l'attirer donc. R1. Ouais. Ouais, donc je peux en profiter pour. Cours, 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 cours. Cours. Une bouteille. Je vais encore devoir. Je vais encore faire du bruit là, non? C'est ça? Je vais courir. Les gars, je cours. Avec une jambe en moins. Je suis un guerrier, je porte mes balls. Non, c'est pas là. Putain! Avance, 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 avance. Je sais pas comment il s'appelle mon héros. Bon, on va l'appeler. On va l'appeler. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Bon, je sais pas. On verra son vrai nom après. Oh punaise, je suis dans un couloir là. Non, il y a les yeux. Il est là. Oui, bien sûr, tu peux faire ça avec ta tronçonneuse. Ouais. Oh non, 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 non. Allez, cours. Je vais échapper à Barnaby. Mais pourquoi? Non, tu peux y passer à côté. T'es obligé de passer par-dessus, bien sûr. Allez, cours. Non, 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 tu me rappes pas. Et ouais, t'as que quoi avec ta tronçonneuse? Tu peux pas. Tu peux pas, Barnaby. Tu peux pas. Barnaby le déjanteur. Bon. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Comment on s'est retrouvé dans ce pétrin? C'est pas possible ça. Waouh. Find myself within. Ah, est-ce que c'est générique de début? Ouais. Ah, donc, je vous laisse regarder. Tekumi Nakamura. Us. Excusez-moi. The Evil Within. Voilà. Donc, où est-ce qu'on est? Je crois qu'on est monté, ouais, on est monté, donc, waouh, encore dans un couloir. Oh, on va avancer tout doucement. Oh, holy shit. Oh, holy shit. C'est Barnaby? Es-tu là, Barnaby? Non? Oh là là, je dois courir. C'est dangereux. C'est dangereux. Je dois courir. Ah, donc... On est descendu, on est monté en fait, parce que là on se retrouve au début du jeu carrément. On se retrouve à l'entrée, donc je sais pas ce qu'on doit faire là-bas. On est entré. Non, c'est pas par là. On est entré par où au début? Ah voilà, là-bas, c'est l'entrée là-bas. On sort carrément. What? C'est pas ce type là. Ok, on sort, c'est la fin du monde. Il y a des tremblements, les bâtiments tombent de partout. Normal. Ah, donc on retrouve l'inspecteur. Montez. Bah, je suis sûr, là, je dois monter. Hein. Il va tomber, là, comme par hasard. Oh
pas. Ok. Waouh. Donc ça tombe, ok. Oh, y a le gars là. Vous avez vu? Il y a un Assassin's Creed là, un assassin. Je sais pas qui c'est. Mais peut-être. Ouais, je suis désolé, mais il est pas sorti. J'ai attendu, mais. Allez, calme-toi, Leslie. Bon, je vais fermer ma gueule et je vous laisse regarder. What the fuck? Merde! On pourra pas y retourner. Fais chier. On peut contacter personne. Tout le monde est sûrement mort. Comment ça va à l'arrière? Quelques bleus, mais ça va. Ça va. Ça ira mieux quand on sera loin. Ça va. Ouais, un peu plus loin et tout ira bien. Ça va. On tombe. Attention! Qu'est-ce que... On tombe! Waouh! C'est quoi cette fin de chapitre? Franchement, c'était énorme. Donc, c'est la fin du monde. Les routes tombent. Les murs, les bâtiments et les routes bougent. Donc, se décalent. C'est pas comment. Le chauffeur, il se transforme en zombie comme ça, normal. Et d'un coup, on tombe. Voilà, on tombe comme ça. C'est vraiment chelou, c'est... What? Franchement, balèze les japonais, chapeau. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce premier Let's Play avec moi, en ma compagnie, pour le chapitre 1. Et donc, on se retrouvera une prochaine fois avec Risings, mon frère. Pour le chapitre 2 et moi pour le chapitre 3 à venir après. Et donc pour l'instant voilà, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de laisser un like, de partager et bien sûr de vous abonner. Je vous dis à plus, bye bye et peace. Kiss, bye, boubou, blablabla, boubou, kiss, blablabla, c'est bon, j'arrête, bye. Bye, 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 bye.